Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 25 avril 2020. Nous en sommes à notre 41e jour de confinement. D'ailleurs, ça se voit parce qu'on oublie de se raser, etc. Alors, comme vous le voyez, je suis encore devant ce magnifique coucher de soleil où je me trouve quasiment tous les jours. Alors, j'en vais en profiter pour expliquer ce que je fais également quand je viens ici tous les jours, ou quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours, j'effectue ce que l'on appelle une séance de HIIT. Alors, HIIT, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire High Intensity Interval Training. Ce qui veut dire en français entraînement fractionné à haute intensité. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit d'intercaler des efforts très violents que l'on fait à fond de pause. Alors, on va par exemple courir à fond, vitesse maximale pendant 15 secondes, et on va s'arrêter 30 ou 40, 45 secondes. Puis on va recommencer, et puis on va à nouveau s'arrêter, etc. Donc, ce qui implique que le cœur est extrêmement sollicité, les muscles aussi, et on fait donc. En général, il s'agit de 5 répétitions et qui se font en 5 cycles. Alors on peut faire un cycle par exemple de course, un cycle de 5, puis un cycle de 5 pompes, puis un cycle de 5 abdos, un cycle de 5 sauts, etc. Donc moi je fais mes 5 cycles de 5, c'est-à-dire 25 efforts violents. Puissance maximale intercalée de pause et de récupération. Alors on dit que ce type d'effort est à peu près 9 fois plus violent en intensité et donc en correspondance temps qu'un marathon par exemple. C'est-à-dire que quand on va faire ça pendant une demi-heure, cela va correspondre en gros à un entraînement sportif de 5 heures. Voilà, alors moi pour donner un petit peu un exemple, voilà c'est pas très long hein, ce que je fais puisque je pars d'en bas ici, vous le voyez là où voilà, il y a l'église là, et bien je pars de là. Et je monte ici à travers. Voilà, il y a un chemin. C'est quand même assez raide. Et donc, ça permet d'être quand même pas mal sollicité. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu une petite vidéo sur ce HIIT, comment rester en forme pendant la période de confinement qui est la nôtre. Voilà, et puis en même temps, ça permet de montrer un petit peu aux personnes avec qui je suis en contact régulièrement maintenant depuis un certain temps, où je me trouve, dans quel contexte, parce que c'est vrai que dans cette période de confinement, eh bien, ce n'est pas forcément évident d'être bloqué parfois entre quatre murs et de ne pas pouvoir sortir quand vous êtes en ville. Vous n'avez pas forcément cette chance de pouvoir voir la nature, alors que comme voilà, je le montrais, ici, donc à Meun, eh bien, nous avons le village et l'église qui est là, mais comme on le voit, eh bien, tout de suite derrière, là, il y a cette grande colline où il y a des chemins où on peut aller se balader. De même qu'on traverse la rue, on traverse le village qui est là et on arrive ici. Donc on a vraiment cette chance de pouvoir être, tout en étant confiné, tout en respectant le confinement, bien sûr, mais de pouvoir quand même s'aérer et s'entretenir. Alors oui, bon, je vois qu'on est toujours moins entretenu. Oui, c'est le 11 mai. Le 11 mai, il va y avoir une sacrée remise en forme qui va être nécessaire. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, donc, merci de mettre un petit like pour les personnes qui aiment cette vidéo. Bon, je suis désolé, mais en fait, j'ai travaillé toute la journée et je suis parti comme ça. Et je ne pensais pas faire une vidéo, donc je ne me suis pas rasé, ni ce matin, ni peut-être hier d'ailleurs, je crois. Et puis, eh bien, comme le veut la formule consacrée, si vous aimez cette vidéo, eh bien, vous pouvez mettre un petit pouce, ou ça je l'ai déjà dit, ou bien vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et à bientôt.